Un petit peu moins de nuit qu'hier. J'ai juste sorti la trottinette du carton et j'ai déjà les mains pleines de cambouis. Je croyais que tu commençais ici. Et pas entendu, t'as dit quoi? D'ailleurs, on m'entend toujours beaucoup moins bien que toi hein, sur les vidéos. Ouais. Non, mais j'ai regardé la rediff Twitch et on m'entend à la moitié de ton son, si tu veux. Moi, à la moitié? Ah bah non, c'est impossible parce que j'ai monté ton son là. Non, mais pas là tout de suite là tout de suite. J'ai regardé la Ouais. rediff de il y a 2 semaines là. Sur la rediff, peut-être parce que je t'avais. T'étais pas aussi fort. Je t'ai augmenté depuis sur Discord. Et là, quand je vois sur Discord, quand tu discutes, effectivement, le son est plus bas. Hein. Il est à moins 22 dB. Je peux augmenter, mais en fait, j'ai l'impression que ça sature énormément, quoi. J'ai monté à 9, moins 9 dB. C'est 10 dB au-dessus, donc ça devrait le faire. Qu'est-ce que je voulais faire moi? Je disais quoi? Ah oui, je regarde les paramètres du stream. Voir si je peux mettre du delay depuis Twitch. Depuis Twitch. Alors déjà, toi, tu lances le live et tu dis même pas pour qu'on dise bonjour. Bah ouais, comme ça on est des fous. Tu m'as mis à 9, t'as dit, hein? À moins 9 dB, oui. Avant, t'étais à moins 22. Tu peux le mettre à moins 11, on devrait avoir la voix à peu près au même niveau. Ok, parce que là, du coup, t'es plus fort, c'est ça? Mais Ok, attends, est-ce en qu'il même temps, marche? je suis plus intéressant, donc c'est normal. Bah, bien sûr. voilà, je t'ai mis à moins 11. Dis-moi là, parle, voir. Oui, mais oui. J'ai reçu une trottinette. Waouh! Je peux pas Ça va, modifier. c'est à peu près. C'est à peu près. C'est à peu près pas mal. Ok, c'est mieux. Et bien ça va le faire alors. Bon, j'ai pas les options sur l'application là pour mettre, je regarderai plus tard, tant pis, on va faire avec. De toute façon, il y a peu de chances qu'on tombe sur le même serveur que des gens et on n'est pas samedi soir. Donc ça devrait Déjà. être plus calme. Déjà. Mais n'empêche que si tu dis pas bonjour aux gens quand tu lances une vidéo, eh ben ils vont pas rester. Parce que ça fait pas pro. Oui, j'ai pas dit Ça bonjour, mais bon, j'ai fait fait un live surprise, y a personne, j'ai pas pas dit bonjour, oui. pro. C'est quoi ce travail? Tu vas le mettre sur YouTube. Tu le sais très bien. Hein, tu le sais. C'est. Oui, mais je. Ah non, oui, je vais le mettre sur Voilà. YouTube, mais. Pense à YouTube. Dis bonjour au début. Attends, mais c'est bizarre parce que moi j'ai pas de. J'arrive pas à avoir le live en fait, il s'affiche pas sur mon téléphone. Bon. Non, mais ça marche bien. Il faut que je sorte de l'appli pour rentrer dedans. Ah là, ça y est. Parce que du coup, en Le fait, seul. si tu veux, je perds le truc, je vois plus combien on est de. Combien de spectateurs et tout ça après. Le seul truc qui marche pas bien, c'est le vient avec un T. Oh, ça va, hein. Da, da, da. Pro ou pas pro? On commence par, hein. Pro ou pas pro? Oh, gestion. Modifier les infos du stream. Et puis maintenant, si tu le fais maintenant, au moins tu le frappes la pluie. Voilà. Bah oui, c'est sûr. Voilà. C'est bon, c'est modifié.
Qu'est-ce qu'il a à courir comme un débile, lui? Yeah, Là, à l'abordage. t'as pas tes Abordage. PV en berne, et des fois, c'est sinon on peut se faire soigner là. Mais normalement, on Bon. respawn à 100% de notre santé, mais. On va bien réussir à mourir avant d'être à court de vie. Oh, il y a moyen déjà avant d'être à court de flotte, parce que je suis déjà à 68% de Non. flotte, moi. Non. Et surtout que je me Et serais pas. bien racheté une petite tenue, mais bon. Et des Oui. flingues. Si c'est pour perdre la tenue. Des flingues, pourquoi pas? Parce que il y a une petite mission à 9000, là. Ouais. Rapide à faire. Un truc. Bon, après, comme on est deux, faire les états, simplement. Pourquoi pas? Mais c'était quoi ton matin? Déjà, j'ai pas eu le temps, comme je bossais, de regarder la vidéo, comment se faire des pépettes. Ouais, bah justement, dans cette vidéo-là, il dit par exemple, si on fait la investigation, elle est à 4000 et après on en aura une à 9000 et après on en aura une à 18 000 et des poussières. Donc ça pourrait être intéressant de faire la investigation. Mais c'est pas celle-là où il nous dit qu'il pourrait y avoir des ennemis. Le train est arrivé. Si. Enfin, celle qui nous dit où, enfin, celle où j'ai vu des ennemis, c'est la recherche. Ouais, c'est la recherche. Comment Lost. Ok. Recherche à 2500, je l'ai jamais Ah fait. merde, c'est une cave. Ah. Oui, effectivement. Mais donc non, dans la première investigation, j'ai jamais eu d'ennemis. Mais j'ai jamais trouvé le mec non plus. Tu Ouais, bah là, moi j'ai une investigation, mais c'est une cave, toi aussi, Oui, j'imagine. oui. Ah, on a les mêmes missions, encore une Ouais. Ça fait chier. fois. Salut, Feel Good de D27. Ou Feel Good 27. Donc à partir de maintenant, on a 7 minutes avant de se faire flinguer. Vite. Non, ça va. Feel Good, il est sympa. Il va pas nous tuer. Ah, tu crois ça? Tu crois ça? Il va pas venir avec son vaisseau nous dégommer. J'y crois. J'ai foi en mes Ouais. viewers. Déjà vérifie s'il est abonné. Non, il n'est pas abonné. Il n'a pas Voilà. follow. Voilà, donc n'aie pas foi. Ce peu de foi de cet homme. Je connais les gens, hein? Donc voilà. Ouais, tu connais les gens, tu connais les gens. Je connais les Investigations sont souvent par trois. Oui, mais. Nous on est deux, alors on le fait à deux, écoute. Ouais, vas-y, pété, pété. Façon, j'étais. Ah, j'étais pas cher de la mission, c'est vrai. Attends. Alors. Faut que je rentre dans l'ascenseur. Ah! Bâtard, t'es Adieu. parti sans moi, enfoiré. Et c'est quand tu veux. Accepter des. Je l'ai pas accepté, visiblement, la mission. Hop, accepté. Mais ce qui fait chier, c'est d'aller dans les. Dépêche-toi, ou on va encore devoir te rouvrir l'ascenseur. Non, je suis sorti. Le problème. Oups, ma répétition. Le problème, c'est que j'ai accepté la mission, mais. Ah, ça y est. Mais j'étais un peu bugué, elle voulait pas s'afficher. Je te lâche. Voilà. Scène à l'air. J'ai un bout de mon Oh, interface qui est hors mais. champ, hors screen, c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est par là? Je C'est pense. à gauche pour les vaisseaux. Et Tu flingues qui en premier, Feel Good? Bah tu peux flinguer Senga. What the fuck? Qu'est-ce qu'ils font là tous? bah, ils t'attendent. Non mais regarde, viens voir, je te jure. Ils sont tous regroupés là, les uns à côté des autres, les PNJ. Ouais. Qu'est-ce que. En fait, ils font la queue pour passer le portique de sécurité, sauf qu'il n'y a pas de garde, mais ils sont trop bien élevés. T'oublies pas que t'es au Japon ici, hein. On est où, Japon ici? Ouais, Microtech, je suis pas sûr qu'on soit vraiment au Japon. Mais si, mais si. Va voir la boîte de nuit, ça finira de te convaincre qu'on est au Japon. Non, mais j'aimerais bien m'acheter des armes par contre. Je sais plus où c'était. À Lorville, on sait où c'est en tout cas, on va aller à Lorville. Hein. Tu sais que la mission, elle est ici. Ah oui, bon, on va faire la mission. Hein.
Par où t'es parti? Ah, Figoun, bah, j'appelle le vaisseau là. Figoun, pour ton info, la dernière fois qu'on a joué, on s'est fait défoncer par des Ah mecs bah, qui arrêtaient pas de nous dès casser les. qu'on Hein? il nous attendait à la sortie. Même pas le temps de reprendre le contrôle du vaisseau, qu'il tirait déjà sur le point de sortie. Ouais, on était. En fait, on voyageait en Quantum. Sandwich Triangle, ouais, c'est ça, Sandwich Triangle, ouais. C'est lui. Hangar 10. Voilà. Quand tu regardes l'écran, il y a trois lignes, hein. Tu sais pas quel vaisseau choisir. Problème de riche. Il est connu pour ça. Mais c'est franchement, c'est pénible. Pour ça que je voulais ajouter du delay sur le stream, mais j'ai oublié quand j'ai lancé le stream. Et du coup, j'ai la flemme de chercher les paramètres. Donc, ce sera comme ça. De toute façon, on n'a rien sur nous, donc Ah oui, bah oui. De toute façon, on y on perd. se balade à poil. On Ah, n'a plus on n'y d'armure, perd on n'a rien. plus d'armes, on n'a plus rien. Déjà, Flemme de les racheter. je n'ai jamais eu d'armes. Moi, je suis un mineur. Oui, mais je t'avais Non, filé, en fait, une grosse armure, on avait tous les des grosses armures. Hein. je suis pas un mineur, en fait. Je suis un scavenger. Comment ça s'appelle? Bon, je ramasse le loot des cadavres des gens qui se sont perdus. Voilà. Normalement, c'est des détritus. C'est le poubellier Ouais, de l'espace. mine de rien, à ramasser des armures, des undersuits, bras et jambes, etc. À chaque corps, je me fais un petit 1500. Hein. Alors, quand t'as un vaisseau qui est crashé avec trois cadavres, moi, j'ai refait ma journée. C'est vrai qu'on trouve pas mal de loot dessus. Mais normalement, d'ailleurs, sur investigation, on devrait. Oui, bah au moins un, quoi, celui qu'on va chercher. Ouais. Mais dans l'investigation, la Fuck. dernière fois que je l'ai fait, J'ai oublié de ouais. lancer mon Ah bah c'est dommage. Hawkas. J'espère que le jeu va le On est détecter. gagné ce soir. Ah, oh oui, non, mais j'ai. Laisse tomber. Est-ce qu'il va vouloir le jeu détecter mon. Mais du coup, la dernière fois que j'ai fait le truc en cave, j'ai pas trouvé le mec après avoir tourné pendant 25 minutes. Par contre, j'ai trouvé là la bouffe, les équipements, les boissons, les cailloux, les bananes qui empoisonnent. Là, j'ai. Oh! Tu t'es Je me fait suis rempli le plaisir. sac à dos à ras bord. Ah ben le sac à dos à ras bord. Il s'est fait bien plaisir. NBT, In Spaceport, Ailing, mais il D'ailleurs, comprend là, rien. vu que ni toi ni moi avons des poches, hein, on est habillés comme des gonzesses, zéro poche. C'est vrai. Si on trouve des trucs à looter, il faut prendre le plus intéressant dans la main et en route. Ça va être long. Alors, je joue à la Attention. souris, je déteste jouer à la souris. Attention. Ah. Non, vas-y, c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh oui, bon après, tu sais, pour la bouffe, nous on vit au jour le jour. Hein. On meurt toujours avant d'avoir trop faim ou trop soif, donc tout va bien. Non, il y a quand même des moments où on est arrivé à genre 20% de bouffe ou trucs comme ça, mais on sait. Là par exemple, à Microtech, si tu vas au niveau de la ville, on a trouvé de la bouffe la dernière fois à côté de la boîte de nuit, tout ça, là, justement. Ouais. Donc il y a paf. Ouais, c'est tranquille. Plus l'eau qui descend vite, je trouve. Bah, à partir du moment où tu as soif, ça descend vite. À partir du moment où tu as faim, ça descend vite. Dès que tu consommes, ça descend plus pendant je sais pas combien de temps. Non, mais y a des moments où tu vois, tu vas courir, tu vas faire plein d'actions. Genre, quand on a joué la dernière fois là, mon eau elle est descendue de genre 5%, et il y a des fois où ça descend de 60%. Est-ce que toi aussi, tu as toujours le nom de la mission en haut de l'écran ou c'est que moi? Oui, il est en haut de l'écran. Donc Go to c'est Microtech buggé. Cave. Non, Donc c'est buggé, pourquoi non? ce serait bugué? Pas d'habitude, il me semblait que je n'ai pas le nom de l'écran. Pourquoi ce serait bugué, voyons. Allez chercher Sadik Ripley, moi ça me plaît moyennement déjà. Ouais, et puis en plus, retrouver l'entrée des caves, je sais même plus où ils sont. Bah, elle est sur le point. Là, j'ai trouvé. Elle est sur le point qu'il y Nécropolis. a 800. C'est Nécropolis. Bien sûr, comme d'hab, il veut pas que je le sélectionne.
qui m'énerve, ce jeu, des fois, c'est pas pratique. Et je me suis fait une insomnie cette nuit. T'es fait une Du coup, insomnie, je suis revenu ouais. et j'ai réitéré mon exploit d'arriver trop vite sur une station spatiale, de braquer à l'envers et de rouler sur les anneaux jusqu'à traverser la station sans exploser. T'es un dingo, putain. Puis Ah, moi, mais j'attends. je suis un pro de la survie, c'est tout. Enfin, de la survie en vaisseau, hein, pour le reste. Ouais. J'attrape le. J'ai essayé de choper le hotas. De débalancer avec le hotas, mais. Ouais. Bof. Bah, vu que je l'ai pas connecté. Très bof. Ouais. Du Non, coup, mais sinon, tu me laisses conduire, hein. Bah, si tu veux piloter, tu peux piloter, oui. Après, La... faut trouver la direction, Janto. C'est à gauche. Moi, j'ai l'habitude du clavier sourd. Il te dit à gauche, moi? Moi, je vois pas à Oui, gauche. c'est à gauche, c'est à gauche. Vas-y, continue, continue. En bas. En bas. Voilà, tu devrais l'avoir là, non? Je sais pas, je le vois pas. C'est pas grave, laisse-moi la... Laisse-moi Ah, le machin. ça y est, ça vient de se mettre à jour. Mais c'est Nécropolis? Non, c'est pas Nécropolis. Non, Oui, il y a Microtech, c'est bon, marqué... il est là. Ah, mais c'est le point le plus proche, on peut pas faire autre part. Fichier. On va encore faire du saut en. Bon. Attends, attends, j'ai lancé Mais oui, c'est bon, je suis assis. le saut. Tous en poste. Ouais, je sais. Mais. En vrai, pas besoin de bouffe. Si on a besoin de bouffe, quand on rapporte une mission, on s'arrête toujours dans une capitale et on trouve de la bouffe facilement, pas forcément besoin d'aller en avant-poste. Puis comme ça, nous on se promène, tu sais, on se prend pas de Remarque, là, choc. entre le moment où on s'est connecté et maintenant, j'ai perdu 7% d'eau. Ouais, bah moi aussi, tiens, à peu Même près. ici, je transpire trop, dis donc. Bon, là, je peux pas spool, donc on a 180 km à faire dans l'atmosphère. Oh, ça va, tu dis toujours tes vaisseaux, ils sont plus gros, ils sont plus lignés. Oui, mais on a quand même 180 km à faire. Allez. Vas-y, moi je vais me chercher une boisson. Voilà. Alors, c'est pas. Y a pas de boisson Voilà. dans. La porte ne s'ouvre pas, évidemment. Là, c'est la douche. Tu me diras, il y a de l'eau quand même dans la douche. Je te déconseille de la boire. Je pense que c'est de l'eau recyclée. Tu sais que l'eau du robinet aussi, c'est de l'eau recyclée. Donc, l'un dans l'autre. Je pense que c'est pas le même réservoir d'eau. Je parle dans le vaisseau là, hein. Moi d'RP. Je suis pas sûr. C'est. Oh, je pense. Que tu peux avoir de l'eau recyclée qui est potable et de l'eau Non, recyclée non potable. putain. J'ai voulu m'allonger, j'ai T'as fait bugué. log Non, c'est Non, pas t'as ça. fait logout. Voilà. Alors normalement, si tu. Du coup, tu vas revenir au menu. On est Oui, toujours en partie. je me reconnais. Tu Oui, je fais me reconnais. rejoin frame et tu devrais te reconnecter dans la Ouais. couchette. Vu que le vaisseau est encore en jeu, il n'a pas Ouais. despawn. Après, je ne me suis pas allongé, je me suis assis. Bizarre. Voilà, je veux bien. Parce que je me suis assis et ensuite j'ai regardé à gauche pour avoir le truc de se coucher, quoi. Et sauf que c'était juste à côté de Logout. Donc, quand j'ai cliqué. Après, si t'arrives pas à Troco, c'est pas grave. Hein. Moi, je quitte le Mais jeu, je si. range mon retas, et puis voilà. Mais il m'a dit, voulez-vous rejoindre la session d'avant? J'ai dit oui. Ah, c'est bien ça. Après, est-ce qu'il va me remettre dans le vaisseau ou est-ce qu'il va me mettre dans le point de l'espace où j'étais au moment de la déconnexion? Parce que ça nous avait fait ça avant. Oui, normalement, ça devrait te remettre sur ton siège. Normalement. Ouais, je demande à voir. Je n'ai toujours pas confiance. Homme de peu de foi, là. Ouais. Problème, c'est que comment on freine au clavier? Et Non, bah, tu fais S et puis tu croises les doigts. mais y a un bouton pour freiner, normalement. Ah ben j'en sais rien, je l'ai jamais Space trouvé. Break, c'est X. Voilà, il suffit de regarder. Je sais pas, j'ai jamais eu besoin. C'est Moi je X. m'arrête. Moi je m'arrête avec les obstacles. On n'a plus de viewer, il est parti. Eh oui. Il a vu Non, Phil Good.
pourquoi Il a vu es-tu qu'on n'avait pas parti? besoin de lui pour mourir. Il s'est dit, est-ce que je vais les tuer? Et puis il a vu qu'on allait mourir tout seul dans une cave, donc... Ouais. Tiens, d'ailleurs, je vais nous déplacer dans live. Sur Discord. Tu peux parler au moins? Allô, 2, B, 2, 2, 2. Ah, c'est bon, c'est connecté? Oui, c'est bon là. Oui. C'était pas encore connecté. Je sais pas pourquoi, mais Discord ces derniers temps, il galère à trouver des routes quand je me connecte dans un vocal. Bon, je suis toujours en loi dingue. Il est en loin dingue. La loi, on est toujours en route. La loi dingue, c'est juste entre la loi de Moore et la loi de Murphy. Voilà. Pourquoi pas? Ah ouais, là j'ai encore. Mais là j'ai perdu 17% depuis. Non, même plus que ça. Ouais, presque 17% depuis qu'on s'est connecté en jeu. Je me demande en fait si il n'arrive pas à me connecter parce que le vaisseau est en mouvement et qu'il n'arrive pas à calculer à chaque fois la position de mon personnage. Je peux m'arrêter si tu veux. Hein. C'est pour voir quoi. Bah, de toute façon, je suis en train de m'arrêter. Parce que là, la petite barre sous le loi dingue fait la partie de Pong la plus endiablée de l'histoire. Alors. Voilà, on est arrêté. Donc, faire se peut dans l'atmosphère. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne. Je compte 50 allers-retours de la barre de Pong. Et puis après, tu pourras te remettre à bouger. On en est à la moitié, hein. C'est pour te dire à quel point elle est vénère. Bon bah non, laisse tomber, vas-y, fonce. Ça va Et pas? puis on Ça verra marche bien pas? qu'il y aura un atterri. Non. Mais vas-y, 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 avance. Il y a des montagnes. C'est pas doué avec. Bah surtout au clavier souris. De toute façon, si t'arrives pas à te reconnecter, on va être obligé de quitter. Oh, oui, ou alors c'est moi qui quitte le jeu et qui ensuite te fait te rejoindre. Non, je quitterai aussi le jeu pour pouvoir brancher mon OTAS si jamais. Ils ont de plus en plus d'humour, les journalistes téléphone là. Ah ouais? Accusé de transphobie et menacé de mort, J.K. Rowling reçoit le soutien de Voldemort. Il nous reste 34 km à faire. C'est les caves. Maintenant, après, il va falloir aller dans la cave. Trouver notre chemin dans les caves. L'enfer. Ah, bah, on va pas le trouver, je te dis. Bah, va falloir qu'on le trouve. Il va falloir. Enfin, notre chemin, on le trouve. C'est le mec qu'on trouve. Oui, bah, va falloir trouver les deux. En plus, on est sur le haut d'une montagne, l'enfer.
Posé là? On est en train d'arriver là, 5 km. Et en plus, c'est au milieu de la pampa des. Et il y a plein de collines, de. Alors, complète oxy. Oh, oui, bah, je viens de compléter l'objectif, oui. New objective, locate missing client. Ouais. Et comment je fais, du coup, pour le trouver? Bah, faut descendre dans le cadre. Bah, j'aimerais bien, mais je trouve pas les caves, en fait. C'est des collines, mais il n'y a pas d'entrée, quoi. Pas doué. Non, non, mais je te jure, il n'y a pas d'entrée pour les caves. La barre lag un petit peu. Est-ce que ça veut dire que quelque chose va se passer de mon côté? Peut-être. En plus, je peux pas me poser ici, quoi. Il y a que des arbres. Ah bah, si t'es pas encore posé, non, ça veut dire qu'il y a rien va se passer de mon côté. Bah non, mais je peux pas me poser. Ah si, là, peut-être, là. Il y a semi-plat. Enfin, plat. Façon de voir les choses, quoi, mais. Tain, en plus, la souris, c'est immanœuvrable. Allez, on descend tout doucement. Tout doucement. Collision alert. Collision alert. Sinon, les viewers, vous avez regardé l'anime sur le camping dont on parlait l'autre fois? Bah, il faudrait qu'il y ait des gens qui aient regardé la vidéo de l'autre fois. Ce non, qui n'est parce pas que le cas vu que j'étais pas en live. Sinon, on retconne, hein. On retconne totalement. C'est pas pour vous. N'allez pas le voir. Alors, c'est très bien que vous l'avez déjà tous vu. Ouais, c'est clair. Je me suis posé. J'ai power offé le vaisseau. Vas-y, essaie de te connecter. Ah, mais je suis toujours sur l'écran de loading. Hein. J'ai pas arrêté. Je ne suis pas sorti. Est-ce que je peux en ressortir même? Bah, je vais essayer d'en sortir. Exit tout menu, oui. Ça commence à faire. Ouais. Et je vais essayer de revenir. Voilà, je suis posé. Tu peux reviendre. Mmh. J'essaye. Maintenant, c'est en train de loader le menu. J'ai la barre qui s'est réactivée. Revenu dans le menu. Your party leader has yet to launch you onto a server. Mm-hmm. Quoi? Ouais, en gros, comme c'était toi qui devais lancer le serveur. C'est moi qui dois t'inviter dans le serveur? Attends. Ils sont en train de dire. Alors, F1, amis, friends, Senga. Tu peux le faire ou pas? Bah, dis-moi avant de toucher. J'essaye, mais je vois pas comment. Mm-hmm. La partie... Parce que là du coup j'ai essayé de lancer une partie. Invite partie tout groupe, mais ça m'a pas. Friends. Invite tout channel. No. Normalement tu peux faire clic droit sur moi et puis join friends. Ah ouais, bah je suis en train là, j'essaye. T'as toujours le marqueur pour te dire où est la cave ou pas, au fait? Non. Parce que moi, à partir du moment où je suis arrivé en vaisseau, ça a disparu. Et en fait, le marqueur est pile sur l'entrée de la cave. D'accord. Non, moi, j'ai aucun marqueur, j'ai rien du tout. Oui. Bah oui. Quand tu t'approches, il disparaît. C'est pour ça qu'il faut retenir où il est avant d'atterrir. Bah, de toute façon, j'ai survolé la zone où il était et... Il n'y a pas plus de cave, hein. Non, mais c'est un trou dans le sol, tu vois. C'est pas comme si t'avais une grotte. J'ai pas vu. J'ai rien vu. Bon. Je compte une minute
Et puis ensuite, On on va relance. reboot, ouais. Reboot. Ah, mais le temps passe, hein. Bah oui, c'est pour ça. Reboot, stash. Ah. Alors, j'ai paru, mais je crois être à Lorville, là. Vu comment c'est. Lorville. Je crois. Je suis fou, Je Lorville. suis effectivement à Lorville. Est-ce que je Fuck. vois ton nom quelque part? Je vois Oui, Foxcom partie, deux parties. Donc j'imagine que. moi aussi, moi aussi. Donc on doit être dans le même game, a priori. Yep. Voilà. Décidé. Et puis tu T'acquitté? branches ton machin. Oui. Yeah. Quit game. Hop, je mets la scène.
automatiquement, en fait, t'as moins à payer. C'est logique. Bah oui. Moi, ça marche pas parce que j'ai pas de salaire. Enfin, un salaire, mais j'ai pas de fiche de paye. J'ai pas d'employeur. Ouais. Et contract available, tracker training, permit certification. Ouais, bah, je vais pas. Ça va, d'ailleurs, merci. J'ai 99 de bouffe, ça je suis bien, mais par contre, il va falloir que je m'achète de la boisson. Est-ce que la mission est toujours activée? Non, la mission n'est plus active. Alors. Sur Orville. Tu es à Lorville? Bon, et eh ben, je viens de chercher. Je viens. Il va faire les quêtes sur Lorville et puis c'est tout. Ton vaisseau, tu vas devoir attendre qu'il repop. Ah oui, 6 minutes. Oui, mais toi, tu vas mettre plus de temps à venir jusqu'à Tu Microtech. passes. Si, Tu si, je te passes. le dis. Si, je te le dis. Parce que moi, avec mon vaisseau, pour faire Hearthstone-Lorville, ouais, Lorville-Microtech, il me faut 7 minutes. À peu près. Un peu Oh, moins. 6. c'est parce que t'es pas doué. 6-7 minutes. Et alors que le tien, ça va au plus d'un quart d'heure, il me semble. Hein. Non, mais j'ai le. En fait, j'ai un calculateur pour faire les. Pour configurer les vaisseaux et tout ça, là, pour voir les paramètres que tu peux ajouter sur ton vaisseau et tout. Et ça Ouais. s'appelle Hercule. C'est un site. Et. Ah, il y en a un qui demande 15 000. Il a 57 millions de kilomètres. Ça fait un peu loin. Pour 15 000 crédits. Tu sais, quand je faisais mon Zeta tout seul, Ouais. hier ou je sais pas quand, j'ai croisé un mec sur un poste de distribution là, qui plaçait des beacons pour pouvoir qu'on vienne le Visiter les chercher. gens. Ah ouais. Et c'était justement le mec qui avait le vaisseau paré pour le combat, etc. Son vaisseau, il était là, il était posé, il attendait. Ouais. Ça c'est des Donc voilà. salauds, les mecs qui font ça. De toute façon, ils se prennent des crème stats en faisant ça, donc. Ouais. Je sais pas s'il y a un vrai intérêt à faire ce genre de beacon. Parce que déjà, quand tu réponds au beacon, tu lock l'argent, donc le mec il perd l'argent. Et c'est encore le mec qui renvoie une deuxième truc de beacon. Hein. Eh ouais. Bon, j'ai le métro qui vient d'arriver. Allez, let's go. On va repartir par où? Non, par devant. Départ maintenant. Partage la mission. Si tu veux. J'ai partagé, Accepter. c'est bon? Accepter, oui. Parce que si on fait une mission ici, il faut prendre la mission d'ici. Oui, forcément. Je te retrouve là-bas. Ah, c'est sur Hearthstone, du coup, qu'il faut aller. Je suis encore allé au Spaceport sans m'acheter à boire. C'est pas grave. J'aurais pourrais peut-être descendre, aller chercher ma petite crêpe, manger ma crêpe pendant le Pendant le saut. voyage. Ouais, j'aurais largement le temps de descendre, chercher ma crêpe, la faire chauffer, mettre un peu de Nutella dedans, remonter et la manger que je serais pas encore arrivé. Ouais, bah, il va. Ouais, bah, j'attends de lancer mon vaisseau avant. Enfin, après, si j'ai les 6 minutes d'attente, je le ferai pendant les 6 minutes d'attente de récupérer mon vaisseau. À quoi que je pourrais prendre le 300i que j'ai, ou le 106i, je sais plus, l'autre vaisseau que j'ai, le fighter, il faudra juste que je fasse un arrêt par URL4 ou URL, celui qui sera le plus proche, pour faire le plein. Et après, je pourrais continuer. Ouais, mais c'est qu'on pense que je suis plus lent dans ce vaisseau-là. Et du coup, en fait, j'ai regardé un peu là, sur le site là, Aircool, les vaisseaux, tous les trucs qu'on peut mettre dans les vaisseaux, les composants et tout ça là. Et c'est vachement bien parce que du coup, pour chaque composant, il t'indique à quel endroit tu peux l'acheter. Et il y a une fonction genre mettre dans le panier. Du coup, tu dis à quel endroit tu veux l'acheter, tu cliques dessus et ça le met dans ton panier.
Et donc tu peux faire ça pour tous tes équipements que tu veux acheter pour ton vaisseau. Et après tu peux télécharger la liste en format CSV et Excel là, pour l'avoir à côté de toi, pour te dire bah c'est bon, tu peux là, tu dois aller là, tu vas là, tu vas là, et acheter tous les trucs où tu dois aller. Ouais, c'est sympa, ouais. C'est vachement pratique. Et ça t'indique le prix aussi, surtout. Ça c'est cool. J'ai aussi un transport léger. Un MISC Hull A. Là, tu fais ce que tu veux, mais le principe, c'est que tu y es. Oui. Ouais, mais le MISC Hull A, je sais pas combien il met de temps pour venir, par contre, c'est ça le truc. Là, je te jure, c'est le futur, mais t'es quand même obligé d'appuyer sur un bouton pour que les portes s'ouvrent. Voilà. On voit que les gens n'ont pas retenu les leçons du Covid. Bon, bah j'ai 6 minutes avant que mon vaisseau il arrive. Hein. Ouais, bah va crêper. Je vais aller chercher ma crêpe, mettre la faire la chauffer un petit peu, mettre un peu de Nutella et tout ça. J'y reviens. Je te laisse le Ouais. live, tu peux parler au live hein, du coup. Il y a personne, mais bon, ça fait plaisir. Alors, le plan national. Alors, je commence. Faire vos trucs aussi. Hein, il n'y aura rien pendant environ 3 minutes, hein, le temps d'aller aux toilettes. Ouais. Ah bah non. Bah oui. Je leur ai promis qu'il n'y aurait rien pendant 3 minutes. Ça ne fait même pas 2 minutes là. C'est dommage. Bah en fait, ma crêpe était morte. Morte. Ma crêpe est morte. Oh. Elle est décédée de type moisissure. Ouais. Ça faisait trop Bah du coup, longtemps. t'as On été l'avait. obligé de mettre le Nutella tout seul au micro-ondes, du coup. Non. Heureusement, j'avais des petits Nutella biscuits. Ah, heureusement. Du coup, ben, je les ai chopés. Voilà comment les vrais héros sauvent le jour. Exactement. Traduit en français, save. Parce que la situation, c'est pas beau. Ah, chier. Encore une fois, merci les bugs. Voilà. Sam. Cool.
j'ai mon interface d'émission qui est fucked up. Mmh. Je peux cliquer sur les générales, mais personnel accepté d'history beacon sont. T'as réagi pas. Oui, bah moi aussi j'ai un bug. Et je peux pas avoir les com links, je peux rien avoir d'autre que la page d'émission. Mmh. Yeah. Ouais. Bah moi aussi j'ai un bug, je ne peux plus rien sélectionner. Toi aussi. Mmh. C'est la merde. Genre, je suis dans le magasin, je ne peux pas ouvrir la porte du magasin. Je pense que le serveur, il a capote. Très certainement. Ah non, parce que là, on peut plus rien faire du tout. Ça va être encore un petit exit to menu. Oui, parce que je ne peux plus récupérer mon vaisseau non plus. Mmh. Bon, et ben, exit to menu. En espérant que cette fois-ci... Ouais, server is going to crash, il y en a qui le disent aussi dans le chat. Parce que ça m'est déjà arrivé, genre, le jeu, il a crashé pendant que je faisais des achats, et il m'a déboursé l'argent, mais il m'a pas donné des trucs. Donc là, étant donné que je viens d'acheter une armure à un sac à dos... Tu me dis quand tu retournes au menu. Mmh. Aïe. Parti ou pas, ouais. Bah ça veut pas persistant universe counter star citizen universe, ça veut pas, non, parce que ça n'a pas pris en compte le fait que tu étais revenu au menu. Bah je suis dans le menu, faut faire un kit game complet là. Allez, on est reparti. Ça me dit game is running. Alors, c'est bon. Ouais, c'est les serveurs UE qui sont éteints maintenant sous tous les serveurs. Hein. Faudrait que je regarde. Faudrait que je joue avec Twitter. Bien les lives de Star Citizen, hein, YouTube. Ouais, c'est clair. Du coup, comme je disais tout à l'heure, mais il avait déjà coupé la vidéo, dites-le nous dans les commentaires, et c'est pas pour gratter, parce que vos trois messages, ça va pas nous changer grand chose. Si vous préférez Star Citizen ou si vous préférez qu'on fasse du golf. Parce que le golf, ça marche au moins. Ou du cyberpunk ou autre chose. Du Call of Duty Modern Warfare. On avait fait du Fall Guy aussi, non, sur la vidéo que j'ai. Je crois qu'on a fait, oui, je crois qu'on avait fini un peu avec du Fall Guy, ouais. Je t'invite tout parti. Ah, ça sert à rien pour le moment, j'ai pas encore. Okay. Je t'ai vu online et puis au moment où je t'invite, ça fait offline. Bon. Ouais. Ah non, mais je mets autant de temps à me déconnecter qu'à me connecter. Ouais. Mais tu vois, pour le coup, Feel Good, il avait raison. Il a tout de suite, quand on lui a parlé de des mecs qui spawn kill les Twitchers, tout ça là, il m'a dit mm-hmm. Ouais, c'était Sandwich Triangle. Je fais ouais. Ouais, tu vois. Ouais. Direct. Ah bah. C'est soit il les connaît, soit il les connaît. Non, ou il a dû voir la même chose sur d'autres streams. Ouais, aussi. S'il est parti sur d'autres streams aussi, comme moi, avec très peu de viewers et qui vient, tu vois, il a dû voir la même chose, j'imagine. Ouais. Ou alors c'est lui. Ça, on peut pas s'en assurer, c'est sûr. Il y avait aussi, pas du tout Luffy.
C'est lui qui avait initié tout le truc. Hein. Lequel? Monkey dit pas du tout le flic. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais il était avec Sandwich Rion. Oui, oui. Ah, ça y est. Je t'ai invité tout poli, le poli. C'est fait. Et ce matin va être une pure soirée. Ça charge, c'est parti. Ah, je viens de recevoir une notification de quoi? Burger King. Qu'est-ce qu'il y a, Burger King? J'ai pas compris. J'ai reçu une notification de Burger King. Mm-hmm. Serez-vous aussi chanceux que les mois précédents? Pas si sûr. Avec citrouille et fantôme. Ok, et fantôme, citrouille. Ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas envoyé une notification, l'appli Burger King. Ouais. Je t'avais dit qu'une fois que j'avais été goûter un des nouveaux sandwichs. Du tout. Bah, en fait, je reçois un mail un jour qui me dit vous avez été sélectionné pour venir goûter un nouveau sandwich à 3 dates. Et un nouveau sandwich. Et du coup, bah, j'ai pris la date que je voulais, j'y suis allé. C'était à côté de mon boulot en plus, donc c'était parfait. Tout ce que vous avez à faire est de remplir ce mail avec vos coordonnées bancaires à Non, non, pas du tout, pas du tout. Il y avait juste un lien où il fallait s'inscrire, qui est déjà, en fait, ils ont déjà les coordonnées, il y a tout ce qu'il faut. Tu t'inscris, tu reçois un mail avec un pass, en fait, avec un QR code à scanner quand tu arrives là-bas. Mm-hmm. Tu te rends compte quand même, hein, tout ça... Parce que tu n'as pas répondu au prince Nigeria qui était ton cousin éloigné et qui n'a pas débloqué les 5 millions d'euros, etc. Bah maintenant, il est obligé de travailler dans une chaîne de fast-food. Voilà où ça mène ton égoïsme. C'est ça. Moi, je suis connecté. Et moi, je vais aller me chercher à manger avant de décéder. Sauf que je vois pas... Non, on voit pas. C'est stat, non, dans Mobiglas? Et eh ben non, on voit pas. Ben non, on voit pas. On ne voit que quand c'est trop tard. Nul, nul, nul. Et du coup, je t'avais pris de la bouffe et de la flotte. Ah, ok. Par anticipation. Bah, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ma bouffe est remontée et que ma flotte aussi, mais comme ça a disparu, je ne saurais te dire. Bon, bah, moi je descends, je vais déjà au vaisseau, tout ça, voir. Mmh. S'il faut le rappeler à nouveau 6 minutes, comme ça, moi je gagne un peu de vins. Ah, ça va être vite, toi. Mais oui, toujours, hein, j'attends toujours que tu me rejoignes. Ouais, parce que moi j'ai respawn à Microtech. Ça va être galère parce que Microtech est à 38 millions de kilomètres de leur ville. Ouais. Et j'ai 3 services Bacon demandant une assistance de combat à 38 millions de kilomètres de leur... Ah, bah c'est là où je suis, quoi. Ouais. Il y a moyen. Ouais, bah, de l'assistance de combat. Il y a moyen. On sait comment ça finit. Hein. Mm-hmm. Déjà, le mec, comment il a le temps de faire une assistance, de demander une assistance de combat pendant exactement. Un combat. Et il y en a 3. T'as eu? Ah, c'est bon. Go to Aberdeen Cave. Ah, c'est dommage. Celle-là, elle est à 68 km. Alors que celle que j'avais trouvée avant était à 66 km. Ah, dommage. Donc là, il faut aller sur une autre planète. Bon, bah du coup, non, mais l'avantage, c'est que comme on est dans l'espace, pour mm-hmm. aller au point où on sera, on fera plus facilement le tour de la planète. Ouais. Non, parce que vraiment, 66 km, sortais du spaceport, tu t'atterrissais juste à côté. Bah vous, ça c'est gratuit, hein. Mmh. Il y avait 45 secondes d'attente là de métro. Jamais eu aussi long. Ouais. Le voilà.
Et bien avec ce jeu, c'est qu'on a tout le temps de manger. Ah oui, pour le coup, c'est vrai. Là, je me suis vidé un demi-tube de Pringles au bacon fumé. Et je suis en train d'attaquer ma deuxième saucisse de Francfort. les Pringles, c'est pas un repas. Ah, mais chips et saucisses, c'en est un. C'est un Saucisse pique-nique, et mais pommes de qui a dit terre, pas des Pringles. qu'il fallait être dehors pour niquer. Bon, je viens d'arriver au Spaceport. Je prends Moi les aussi. élévators. Hop, NB's Terminal. Je termine d'étaler ma moutarde et puis j'y vais. Si. Parce qu'une saucisse sans savoura, qu'est-ce que c'est? C'est une saucisse nature. Hein, faut pas chercher non plus midi à 4. Nous on cherche là mais on n'en trouve pas dans les magasins. On cherche de la moutarde à l'ancienne pour que Karina puisse en ramener au Brésil. L'année dernière on en avait ramené à sa famille. Ils ont adoré la moutarde à l'ancienne. Parce Ben, je qu'ils ont de la regarderai. moutarde classique là-bas, tu vois, importée. Ou pas d'ailleurs. Mais de la moutarde à l'ancienne en grains bah, classique, mais c'est surtout Karina cherche une spécifique parce que à notre Leclerc on en a, mais elle est bonne, mais elle est pas aussi bonne. C'est la marque Maille. Bah, je regarderai à la limite si j'en trouve demain l'eau. On en a Mais regardé, nous au champ, il n'y en avait pas. ouais, parce que je n'ai qu'un petit Franprix, hein, donc je ne te promets rien. Ouais, j'en doute. Mais si jamais si jamais t'en trouves, tu n'hésites pas, tu peux m'en prendre deux pots et je te les rembourserai, y a pas de souci. En gare. Bon, après, je crois que j'ai jamais vu de la moutarde maille. Bah, tu verras bien, tu me diras. Alors, en gare. Y a que maille qui maille. Oula. Wesh, je suis bugué dans le. Ouais. J'étais accroupi, bugué dans le décor. J'ai sauté dans l'ascenseur, j'aurais pas dû. Et non. Waouh! J'ai sauté sous mon vaisseau il a fait un bond de 10 km de haut. Et après il s'est reposé, mais il a fait un bond. Des bugs dans Star Citizen? Non! Très étonnant. C'est tellement bien codé, les gens vont tellement au bout de leur boulot plutôt que de se lancer dans des idées à la con, n'importe où. En vrai, moi pour avoir déjà pas mal joué à des jeux en alpha hein, parce que c'est toujours une alpha, hein, Oui, mais les jeux étaient moins complets et beaucoup moins stables. à un moment, il va falloir qu'il passe à une autre lettre. Parce que tu ne peux pas rester en Galar. alpha pendant 15 ans de ta vie. Alors il me semble que la 4.0, quand elle sortira, c'est censé passer en bêta. Ouais, bah mets ta vie qu'ils sont pas prêts. Non, c'est assez soon. Hein. Oui. La 4.0, elle sort avec Pyro, donc le nouveau système solaire là. La lance, je n'en doute pas. Par contre, qu'elle soit prête à ne pas Ah bugger. non, mais il y aura forcément des bugs parce que y a de grosses modifications en fait Donc, ils vont tant au faire point de vue semblant des serveur qu'au bugs. point de vue gameplay, enfin pas gameplay mais client. Il y a beaucoup d'optimisation, beaucoup de modifications. Donc, ils vont faire semblant que tous les bugs viennent du fait que ils ont modifié des trucs, alors qu'en fait, non, ils sont là depuis le départ. Peut-être pas. Peut-être pas, peut-être ce sera très stable en vrai. Hein. Ouais, c'est ça.
Bah, ils ont maintenant une certaine expérience avec la façon de faire, mais en fait, ce qui craindra le plus, en vrai, c'est les. C'est. Ils font beaucoup. Ils apportent énormément de modifications au serveur. Et donc, bah, forcément, qui dit amélioration au serveur dit forcément peut-être des problèmes, quoi. Oh, j'ai jamais fait gaffe qu'il y avait un anneau là. Il y a un anneau dans l'espace. Oui. Dans Ils ont fait la l'ostéothèque. pub d'affiche de là où tu étais pour Ouais, dans j'ai pas les lu les ascenseurs affiches, d'ailleurs. moi. Dès que tu prends un ascenseur, tu vois le truc. Et bah, c'est qui prépare le. Je crois que d'ailleurs, si je ne dis pas de conneries, Microtech, c'est la dernière planète à être sortie. La dernière. Ah non, c'est. En fait, c'est. C'est pas la dernière. La dernière. Pas vraiment planète, c'est la ville qui est sortie, c'est Horizon qui est sortie. Sur Crusader, si je me souviens bien, Horizon. Peut-être je dis des conneries, je me souviens plus. Alors, où qu'il est le monsieur? Et bah, faut aller à Aberdeen, hein. Max? Je t'ai partagé le truc, non? Oui. Je vais à Aberdeen. Je vais. J'en vais. Eh, mais il faut que je vienne te chercher avant. Bah non, on se rejoint là-bas. Ok. Bah, j'ai pris mon petit vaisseau. Oh. Tu vas pas faire un détour de... Oh, c'est en plein milieu de la pampa, hein. Y a rien. Mais Non, si, je te dis, y a rien autour. Rien de non. chez Non. rien. Alors, on arrive de quel côté? Ok, de ce côté-là, donc. L'enfer. Il faudrait aller là. On verra quand on sera sur place. C'est de l'autre côté de la planète en plus. Il n'y a pas de point de saut à côté. C'est pour ça que je vais me télécharger Oh. à OM1. Non mais Max, tu descends. Allez, file. Je me télécharge à OM1 et il n'est plus qu'à 200 km plutôt que 500. Si, mais si, tu J'ai verras quand comme il sort. qui dirait quelques petits doutes, Wachu. Mais si, tu verras. J'attends de voir. Oui, alors du coup, faut que j'aille là. OM1. Et devine dans quelle zone on va arriver? Dans la nuit. Voilà. Dans la nuit froide et occulte. Ouais. Oui, vous ne connaissez pas. Abonnez-vous si vous voulez. Vraiment, je suis ton advertiser permanent. Bon, je suis en saut vers Hearthstone, hein. Et pourquoi vous allez à Burkina? Parce que je suis obligé de sauter sur la planète, je peux pas sauter sur les lunes. C'est comme ça. C'est que le quad. Et du coup, j'ai vu le composant le plus rapide pour les moteurs quantiques, qui est à, je sais plus, je crois, 95 000 crédits, un truc comme ça, juste pour le moteur. Il est, tu peux faire Hearthstone, non, c'est Microtech et Arc. C'est Arc, je crois. Arc, peu importe. Bon. La planète qui est de l'autre côté à l'extérieur de Microtech, mais à l'opposé du système. Donc c'est le trajet le plus long. Tu le fais en 4 minutes. Ben pourquoi pas? Et le trajet du coup à Hearthstone, c'est genre même pas 2 minutes. Vu que c'est un peu moins de la moitié du chemin.
Par contre, ça consomme. Par contre, ça siphonne le réservoir Actuellement à 1200 km, je pointe à moins 85 degrés et je suis à 5000 mètres de la surface. Alors, à ton avis, explose ou explose pas? Explose. Je ne ralentis pas. Je suis joueur. Ouais. Eh ben non, je me suis arrêté à 1500 mètres du... Dommage. Ouais, le Sengar est comme ça. Tac. Il est fou. Vous aurez reconnu évidemment la référence. Pour ceux qui ont du goût, les autres, je suis désolé, je peux rien faire pour. Insulte pas Alors... le peu de viewers que j'ai. Ouais, justement, parce qu'ils sont peu que je les insulte. J'en ai que zéro là en live. Tu vois qu'ils sont tous nuls. Tous les zéros. Parce qu'ils Tous. sont pas là. Voilà. C'est le moment, je vais pas dire mon rêve parce que. Ils n'ont pas de goût, c'était une petite référence à l'odieux connard qui aime bien utiliser le terme taquin. Je vais pas dire que je vais pas dire c'est un rêve parce que c'est pas un rêve, c'est un peu idiot, mais j'aimerais bien que c'est des fois il y a des gros youtubeurs qui font des raids comme ça un peu Au aléatoires hasard, et oui. qui raident des petites chaînes et tout je t'avoue, j'aimerais bien que ça tombe sur moi un jour. Oh Il bah y en ça t'est a qui déjà se arrivé sont une lancés fois. comme ça. Oui, mais je me demande si c'était pas des bots Et quand même. c'était un gros à 75 ou un truc comme ça. C'est juste c'est con. Non, mais il y avait. Je pense que c'était pas un raid parce que quand c'est un raid, enfin, il faut qu'il lance la fonction raid. Sinon, c'est juste les gens qui vont sur ton live, tu vois, et qui follow en masse. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont défollow aussi entre deux. Non, bah, ils ont fait ça pour faire plaisir au mec. Et puis ensuite, quand ils regardaient plus, Ouais. youp. Ou alors c'était des bots. Parce que après là il reste quand même encore 67 followers. Ouais. Ou 67 bots qui, eux, n'ont pas la Ou fonction des 67 follow. bots. Ou 67 bots. Bon, sinon, je suis en train de chercher la cave, hein, en attendant que tu arrives. Je suis à 4 millions de kilomètres de Hearthstone. Ouais. Ça va assez vite, ça va. Il y a un endroit qui était prometteur, mais il n'est pas là. Quoique, ça ne se voyait pas beaucoup du vaisseau, donc je vais peut-être descendre à pied. Mais j'ai tellement bougé que je préfère attendre que tu me dises si je suis toujours sur le point ou pas, en fait. Eh ben, je te dis ça sous peu, je suis à 1 million à peine de Hearthstone. Parce que normalement, si c'est comme la dernière fois, à l'entrée de la cave, il y a... un caillou un petit peu peint et surtout du matériel. Ah bah attends, je vais lancer un scan maintenant que je sais quel bouton. Tab. Alors, est-ce que j'ai quelque Pas chose? à pied, Non. hein, en vaisseau, hein, par contre. Oui. Non, j'ai rien, tout est à 5 km minimum. Ok. Bon, moi, j'attends mon saut là. Je suis dans le cooldown de. J'attends que ça se résorbe. Ouais. C'est bon. Je suis en train de faire mon saut. Et hop, Ichbin là. Ichbin là. Ouais. J'en Ça ai deux. n'arrête pas de me mettre warning collision alerte, mais le son n'a encore jamais réussi à me toucher. Il est Mais bourré, le... t'as été en ligne droite là? Oui. Vers le point? Mais tu sais que le point il est de l'autre côté de la planète. Non, je suis de mon côté. La planète a tourné entre les deux? Ah, c'est possible, mais j'étais de mon côté. Ah oui, mais comment Donc, t'as fait je suis arrivé... pour arriver là en fait? Y a pas de point de saut? Bah si, comme je te disais, je suis allé sur une station spatiale OM1 ou un truc comme Ah ça. oui, de l'autre Et côté, du ouais. coup, il y a 200 km. Ouais, alors c'est con parce que je vois pas le saut. Plus qu'à aller chercher à la main.
Mais tu vois toujours le point de la cave. Oui. OM1, 594,7 km. Quel gars. Ok, je vois les points. Ah, encore 212 km, hein. Ouais, mais Oh, ça va je peux vite. faire un saut sur toi, apparemment. Oui. Tu vois que ça va vite. Ah oui, il me dit que je peux faire un saut sur toi. Ça va aller encore plus vite. Retiens juste bien où est le point. Oui, attends, parce que ça me fait un saut, mais je sais pas de combien de kilomètres je vais faire réellement un saut. Hein. En tout cas, là, je suis à moins de 100 km. En général, je vais m'arrêter vers 20 km avant toi. Oui, j'étais en train de me dire que j'allais prendre de l'altitude parce que la dernière fois que tu as fait un saut sur moi, tu as atterri derrière moi et derrière moi, c'est la planète. Non, je suis à 10 km de toi, là. Et t'es à Alors, gauche du point. c'est-à-dire, je dois aller par là? Et ben, pour moi, t'es à gauche. Oui, tu dois aller dans cette direction-là. Tu t'en D'accord. rapproches, en tout cas. Ouais. Ah oui, je suis à 67 000 km d'altitude. Dis-moi quand je m'arrête. Bah, arrête-toi. Là maintenant? Oui. D'accord. Je vais où maintenant? Je veux dire, faudrait que tu descendes par rapport à là où je vais. En fait, si tu veux, là j'ai le point. Si tu suis-moi au pire. Je vais vers toi. Ah, il vient de disparaître, mais j'ai pas bougé d'orientation. Oui, tu es à 4 200 km, donc oui, voilà. Redresse. Ouf. Non! Mais ce jeu, c'est un enfer parce qu'il y a 2 secondes, j'avais pas de vitesse. Je te jure, j'étais à zéro. Je me suis arrêté, je réaccélère. Et je passe de 0 à 400 mètres seconde instantanément. Ouais. Putain, ça me saoule Ouais, là. tu devrais réduire le. Tu devrais réduire. Non, Non, mais je ne peux pas. d'habitude, tu fais pas 0, 0, 400 instantanément. Ça prend du temps à monter. Alors, t'es encore là ou t'es réapparu? Bah, là, je suis mort. J'ai un écran noir. Donc, je vais avoir Ah. bugué, c'est sûr. Parce que du coup, Comment je je te fais? voyais. Je te voyais tout à l'heure, mais là, effectivement, t'as disparu. De toute façon, j'avais rien sur moi, mais c'est surtout que j'ai plus de vaisseau. Il faudrait que Bah, je si prenne tu mon réapparais à leur ville, fighter, faut que je prenne mon fighter, mais je réapparais pas là. si jamais tu réapparais à leur ville, ah bah du coup, merci, tu t'es crashé pile à l'entrée de la cave. Bah voilà, comme ça tu connais l'entrée. Voilà, je rapprochais mon vaisseau moi d'ailleurs, comme ça Bon, on voilà. aura le point de repère. J'ai réapparu à leur ville. Voilà, t'es juste à côté donc tout va bien. Partie d'Isbonne. Moi, Hein? Pourquoi? bah t'es mort, mais on est toujours ensemble. Bah non, moi ça me... Ouais, ah oui. Si, proxy de partie. Donc, viens en petit vaisseau, en MSI, au pire. Hein, et puis... Voilà. Parce que moi, ça m'a pris même pas 5 minutes. Non, je... Ah oui, c'est bon, Bomber parti. Bon, fuck, dégage le Tu menu. as le point de saut sur moi, donc toi, tu as tous les avantages. Oui, mais il faudrait que je puisse marcher. Il veut pas que je marche. Putain, j'ai encore perdu une tenue là. Fais chier. C'était la tenue gratuite, non? Comme à chaque fois qu'on meurt, il nous redonne une tenue gratuite. Ouais, je pense. Je sais plus, mais à force, je vais finir à Welp, moi. Bah, tant que tu mourras, il te donnera une tenue gratuite. Non, Il c'était y a une un 4. tenue rouge qui était à moi. Hein, du coup, bah, maintenant j'en ai. Il me reste 3 des tenues. Chier. Ah oui, bah, je suis allé jusqu'au vaisseau. Bah... Ah oui, mais non, tu t'as réapparu, donc il n'y a plus ton corps. Bah, y a peut-être mon loot quand même, je sais, mais c'est pas sûr. Essayer. J'ai regardé. Par contre, on n'a que 10 minutes de survie à la surface de la planète. Ah ouais, bah ça, m'étonne pas. Alors, l'explosion a eu lieu ici. Nous avons le cargo bay. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est toi. On saute. On saute, j'ai dit. Du coup, il y a peut-être T'es mon sûr? loot. T'es sur un caillou qui est légèrement trop. Ah merde. Ça marche. Drag body. Loot body. Peut-être ma tenue, du coup. On loot le casque et on loot l'undersuit. Voilà. Ouais. Ils sont dans mon sac à dos, donc maintenant, si je meurs, tout le monde est perdant. Ne meurs pas. Drag body. Je t'emmène dans la cave avec moi. Ça me fera de la viande si jamais je me perds. Oh, c'est calme, oui. Bon, ça va. Oui, il veut me grailler, quoi. Drop body. Yeah. Et
12. Attends. L'entrée de la cave. Ah merde, c'est dans cette montagne. Mais c'est où? Le temps d'arriver. Ça c'est le bar, pas le bar. Ah. J'ai pas entendu ce que t'as dit, mais Non bah je suis en train de me perdre dans leur ville. Alors que tu étais tellement fier tout à l'heure à dire qu'on connaissait. C'est bon, j'ai trouvé l'endroit où je voulais aller. Je rentre dans les grottes, voir si on survit plus de 10 minutes dans la grotte. On survit plus de 10 minutes dans la grotte, c'est bon. Ils n'ont pas fait les cons. Où je t'attends dedans? Bah, si tu veux, tu peux attendre dedans, hein. Parce que de toute manière, comme j'ai ton point, je te retrouverai, en principe. Ouais, j'espère. Bon, l'avantage, c'est vu que je viens de canner, j'ai récupéré toute ma bouffe et toute mon eau. C'est Non une mais bonne de façon de. l'eau et de la boue, t'en fais. Ok. Pardon? Je marche dans la ville, dans la ville. Et c'était pas par là. Toi aussi vis ma vie de perdu dans leur ville. Non, vraiment, t'arrives pas à te repérer? Non, c'est bon, j'ai trouvé Central Line, mais j'espère que c'est la bonne. J'espère que c'est la bonne ligne de métro. J'ai comme qui dirait un petit doute. Tout business district. Non, c'est pas business district qu'il faut que j'aille moi. Bah dans ce cas, c'est d'en face. C'est dans l'autre. Parce que t'as celle qui est proche qui t'emmène pas du tout là où il faut. Et t'as celle qui est proche de l'infirmerie où ça t'emmène soit au spatioport, soit à je ne sais pas quoi. Metro Center. Je Voilà. suive le Metro Ah, Center. Tony, Oui, Tony, il oui. nous faut des armes. Il nous faut des armes. Ah, il y a des méchants? Voilà. Je suis en train de me faire tirer dessus, donc je vais très certainement mourir avec Fuck. tenue et Bon, mon c'est pas grave sac. pour la Et... tenue. Je cherche les armes, mais je sais pas où. Je sais pas non plus. Ah, moi c'est la sortie que je cherche. Le souci, c'est que quand je vais sortir, il va y avoir des vaisseaux ennemis. Il y a des chances. Je suis au Et ça me fait que. Reclamation and Disposal, alors peut-être qu'il y a des trucs à acheter ici.
Non. Non. C'est juste une déchetterie. J'ai trouvé où on achète les armures et compagnie, mais je viens de m'en acheter une d'ailleurs. Parce que s'il y a des ennemis, je préfère être en sécurité dans mon armure. Même si ça va pas me protéger des masses. Je tente l'échapper, hein. Pour le moment, il n'y a pas encore eu de vaisseaux qui sont apparus autour de moi. Production quad FDM procède with caution. Je pense pas que ce soit là. Bed, infirmerie et réparation. Peut-être non, reclamation disposer. Fuck. Admin office. C'était pas admin office. Non, admin office c'était pour vendre des trucs. L19 Residence, métro. Il n'y avait pas d'achat hein, au truc de métro, je crois, hein, au Spaceport. Hein. Non. Bon, là, j'ai que le. J'ai pas trouvé le truc pour les armes. Okay. Google. Où on achète des armes à Lorville? Il me semble pas qu'il y ait des achats d'armes en vrai, hein. Il me semble qu'on peut acheter une arme. Bon, moi, j'ai un petit gun. Mais ce sera peut-être pas suffisant. Buy, je vais dire gun. Buy gun. Oui, weapon shop in Lorville. Ça. There isn't one, at least for now. Devin Hurston isn't too huge, and they're Voilà. bringing an unarmed insurrection. Il n'y en a pas. There is a small weapon shop in each of the rest stop at Earl L1 and Earl L2. Il faut aller sur les stations Il faut aller sur spatiales, les oui. stations spatiales, oui. Faut aller aux stations spatiales. Bon bah moi j'ai pris mon petit gun que j'avais déjà donc ça va. Bah, je Ouais. sais pas si ça va le faire mais attends j'ai que ça. Ah, eux, si tu veux, ils ont les fusils américains Ah ouais non, oh, non ça va être chaud. Non il nous faut au moins les mêmes fusils quoi. L3 résidence. Ah le métro. Oui. Alléluia. Encore en vie? Ah oui, j'ai réussi à m'enfuir. Je suis bientôt arrivé à leur ville. Ok. Non, parce que ça va, quoi. Il veut pas mourir. J'ai déjà donné, hein. Et puis là, j'ai pas que 600 balles sur moi, j'ai 12 000. Donc là, je ne le perds pas, ce sac à. On peut prendre une autre mission, hein. Au pire, hein, on l'annule et on prend une autre. Hein. Oui, on prend nos états, comme d'habitude. Dommage. Dommage, c'est dommage. Ton gros vaisseau a eu le temps de repoper depuis le temps. Ouais, je sais. Non. Non, t'as pas fait la demande, oui. Bah oui. Warren, Warlocking to settle this ASAP, payment will be soon. Upon soon consommation. Somas, where's Boots? Je dois trouver un mec. À côté d'un Starfarer. Dans les investigations. Ah, 18 000 Alors, crédits. Ouh. oui, et ça, c'est très certainement un combat. Mais il n'y a pas marqué qu'il y aurait de combat. Il n'y a pas marqué, mais pas certainement, hein. On are looking to settle this ASAP. Il y en a un où c'est confisquer de la contrebande, mais j'imagine que ça. Oui. Ça va être plus tendu. Avec Non, écrit mais prends 5 000 plus bonus. le maçon à 18 000, hein, c'est pas grave. Ouais, on verra bien. Laissez-moi sortir avant que le machin parte. Effectivement, les freins marchent bien.
Quoique non, il marche pas bien du tout. Mais il faut les continue marquer, de... hein. Ah oui, non, mais c'est normal que je continue d'avancer aussi. Je laissais enclencher l'avancée automatique. Ah oui, bah non. Oui. Dès que tu relâches, pour du ça, coup, tu avances, quoi. Je freine et je reviens, et du coup, je comprends pas pourquoi. J'étais cher la mission, du coup. Oui. Voilà. Là, j'atterris. Petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Allez, on est fou, on se pose des pionniers. C'est lui. Ah oui, oui, là j'atterris en ligne droite, je fais le poirier. Lol. Couper les lumières, penser à la sauvegarde énergétique, tout ça, tout ça. Ouais. Cours. Cours. Tout va bien. J'ai survécu. Ouais, il a survécu. Ah, il faut que je claim tous mes vaisseaux. Bah, c'est ça de pas savoir conduire. Mais non, mais ils sont pas à leur ville. Ils sont tous à Microtech. Bah si tu veux, je suis au hangar 3, donc si tu veux venir pour. Il n'y a pas de base dans mon truc. Ah bah oui, hein, c'est un vol en guêpe. Alors, j'en ai un qui est censé arriver dans une minute. Mmh. Le temps que je remonte. C'est le MISC All A, donc je ne sais pas ce que ça vaut. C'est un light freight, donc un light transporteur léger. Mmh. Que pour une personne, on ne sait pas ce que ça vaut en termes de place. Mais c'est celui que je peux avoir le plus rapidement. Ouais. C'est probablement pas du tout armé. Probablement. Donc, soit on attend 5 minutes mon gros vaisseau, soit dans une minute on y va. Mais non, prenons ça. Par contre, moi je vais stocker tout ce que j'ai sur moi. Bah, moi tout ce que j'ai sur moi c'est ma grosse armure quoi. Oui, oui. Mais moi je la garde pas, je la stocke. Alors je te lâche le truc au sol. Je vais aussi ranger mon armure. Dans leur ville. Mmh. Alors j'espère que c'est la console, parce que je vais plutôt cliquer dessus. Mmh, drop item. T'es à côté, c'est bon? Oui, plus ou moins. Que personne te les pique. Oui, alors attends, du coup, comme je ne veux pas les mettre sur moi. T'es où? Oui, vas-y. Casque. T'as toujours besoin de voir ou c'est bon? Une suite. Non, c'est bon. Bon, vu le nombre de fois que je suis mort, hein, je suis apparu avec toute ma vie. Bon, j'ai appelé le petit vaisseau, là. Je sais pas ce que ça vaut. On verra bien. Hangar 6. Pas ton casque. J'ai pas mon casque, en effet. Et maintenant, j'ai pas mon casque. Hein. Non. Il n'est pas de la sortie à ta couleur. Oui, c'est pas grave. Bah, pour un truc, une personne. Et ça va, il a de la gueule. C'est censé être un transporteur, hein, donc après. Ah, ça va, c'est assez gros quand même. Mm-hmm. C'est plus gros que le roi, en fait. Ouais. Et c'est une personne, hein. Attention. Oui, oui. Allez, on monte. T'as trouvé la porte d'entrée? Ah oui. Ah.
Pen letter. Conduite fer. Bah alors ship. Bah ça vient. Parce qu'en fait, quand tu rentres dedans, après ça se referme. Donc j'ai dû rouvrir, attendre que ça s'ouvre. T'as un moyen de te poser quelque part, toi, sans mourir? Regardez. Là, j'ai un suite locker, un placard. Oui, mais là, là ici, c'est mieux quand même, non? Je pense pas. Voilà. Un peu. Couché. Ah, oh, ça fait chier ces portes qui s'ouvrent pas là. Un vaisseau comme ça, moi, ça m'irait très bien. Oui, il est pas mal, c'est vrai. Et c'est un vaisseau de transport, tu peux transporter un petit peu de cargaison avec quand même. Mmh. Je crois que la porte arrière s'ouvre en mode. Si ça se baisse à l'arrière. Je sais pas, j'ai pas vu d'ouverture à l'extérieur. Soit lumière bleue, soit lumière rouge, soit éteint. Soit lumière bleue, soit lumière rouge, soit éteint. Ok, bah mets les bleus. Ah non, non, j'éteins, je dors. Ok, le mec, il n'a pas le temps. Mais non. Bon, où c'est qu'il faut qu'on aille? Bah, du coup, chercher une arme. Ah oui, donc UR 2 ou UR... Non, non, t'as lancé une nouvelle mission. Oui, mais t'as dit qu'il y aurait peut-être des viens. Ah bah, je t'ai dit d'instinct, oui, mais j'ai jamais fait cette mission. Étant donné que je dors, j'ai le bide qui traverse le menu de sélection. Ça aussi, il va falloir qu'il passe, hein, que les menus ils passent à travers tout. Searching for Somoza. Il est où le mec, du coup? C'est loin. Une échelle, ASAP, paiement ah ici. Ah ouais, il y a 10 000 quantum fuel là-dedans. Il y a plus que dans mon 400i. Mm-hmm. Le point de destination est en bas à gauche. Je ne peux pas regarder. Ma tête est trop loin. Sur Hearthstone ? En bas à gauche de là où on est. Donc tourne le vaisseau, comme ça je te dis la distance. Par exemple, je vais regarder sur l'app. Bah j'essaie de tourner le vaisseau là. Oui. Pourquoi on tombe ? À tout hasard, parce que tu n'es pas monté. Oui, c'est sur Hearthstone, c'est au HDMS Pinewood. Pinewood. Ouais. Pinewood. C'est en gros la gauche de la planète. Je sais pas si tu la vois dans. La gauche de la planète. Alors, déjà, j'ai vu que t'as mis un point apparemment. Ah non, c'est moi. Les routes. Moi j'ai Pinewood, mais je peux pas faire cette route. Ok. Déjà je cherche Pinewood. Donc par contre il est pas à côté, hein. Va falloir voler un petit peu, mais c'est le plus proche. Ouais, comme d'hab. Bah, déjà je trouve pas Pinewood. Ouais. C'est sur Hearthstone, t'es sûr? Oui oui, on y est. Oui, mais... Je me lèverais bien pour te montrer, mais. Moi j'ai Hendrix, Raps, Evrus, Arbor, HDMS, Silra, Milrum. Pourquoi j'ai pas le tien? Tu regardes la planète de loin et puis tu regardes là où est le petit losange qui brille. Bah oui, mais justement je l'ai pas ce petit losange de merde. C'est bien bon, ça qui m'embête. Ne bouge plus le vaisseau et puis attends, je viens... Accepter, attends. Untrack, track à nouveau. Voilà, parce que des fois ça bug. Des fois. Ah. Là. Ah bah voilà. Voilà. Maintenant je l'ai. Bah oui, je le voyais pas. Et HDMS Pinewood, là je le vois, tout à l'heure je le voyais pas. Mm-hmm. Mais ah oui, c'est quand même pas tout à fait. Côté. Hein. Ouais. Peut-être le mieux ce serait peut-être genre d'aller à. Je vais à HDMS Pinewood, après je planifie un saut vers Security Depot Hearthstone et on s'arrête entre les deux, quoi. Moi, je n'ai jamais réussi à sortir du saut rapide. Faut appuyer B, faut mâcher B comme un malade. Ah oui, oui, mais je l'ai fait, mais ça marche jamais. Mmh. Je n'arrive à sortir que du Quantum, pas du... Oui, bah c'est du Quantum, oui. Oui, non, mais le Quantum d'Interplanète, pas le Quantum, je fais le tour.
pas assez haut dans l'atmosphère. Bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. Et depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de monter. On est toujours. Ah, par contre, comme il a pas d'aile, ce vaisseau, c'est un peu une brique volante, hein. Ouais, bah c'est pour ça que je veux conduire, parce que toi, tu sais pas. Ouais, dit-il. Moi, avec les briques, je m'en sors très bien. Non, mais l'Aurora, il a des petites ailes. Lui, il en a pas du tout. Du Oui, coup, il mais. a pas de portance pour tourner à gauche, à droite. En fait, c'est Ah non. très. Non, le RSI, il n'a pas des ailes, il a des missiles. Oui, mais ça fait un X à l'arrière. Et du coup, ça génère de la portance. Alors que lui, c'est une brique. Et Ouais. y a rien. Le nouveau Pokémon Spectre, je suppose. Ouais, tout tombeau là, je sais pas Ouais. quoi, c'est de la merde. Ouais, bah un chien qui a été possédé par la flamèche là. Ouais, pas un spectre. Ah non, pas par un spectre, mais tu sais, par la petite bougie, là. Ouais, de la merde. Il a une petite bougie. En fait, c'est Paras, mais version. C'est Paras ou Flagados, mais version spectre. C'est de la merde. Parce qu'ils le disent, hein, dans l'explication, que si tu regardes la flamme de la petite bougie trop longtemps. Elle aspire ton âme et tu deviens qu'une coquille vide, un truc. Ah, sympa. C'est comme un méja, mais ça fait de la lumière. Mais les évolutions sont dans la même lignée, hein, de toute façon. Parce que la petite bougie, elle aspire ton âme. Et quand elle se transforme en chandelier, il y a marqué qu'il a été remarqué que dans les maisons où vivent ce Pokémon-là de chandelier, tu as des enterrements qui s'enchaînent en permanence. Sympa. Mais tout va bien, gentil, tout ça. On a 374 km à faire. On peut pas avoir. Et on peut pas voir. Bah je peux voir, mais avec le risque de ne pas pouvoir. Ouais. Après, peut-être il y aurait un point. J'ai OM5 à 475 km. Je peux tenter celui-là, on verra bien. Mais après, on sera encore plus loin de la planète, donc Ouais, non, laisse tomber. sera 475 kilomètres d'altitude. Ça pas tellement. Ah, mais en plus, il a pas de vitesse, ce vaisseau. On aurait dû attendre les 3 minutes là qui restaient pour avoir le 400 i. Ouais. Pas qu'à choisir. Bah, tu m'as dit, vas-y, on prend celui-là, on prend celui-là. Parce qu'en fait, là, sa vitesse maximale, c'est presque 300 mètres seconde, alors qu'à l'autre, je suis à 1200. Autant te dire, c'est rien, c'est totalement différent. Du coup, le nombre de kilomètres se réduit beaucoup plus lentement. 360 km, il nous reste. Oh, bah, enfer. Celui-là, Security Depot. Mais si je le lance, il y a un risque qu'on puisse plus. Je tente le Security Depot ou pas? Non. C'est bon après, 360 bornes, c'est loin. Ah, vas-y, fais-le si tu veux. De toute façon, il me reste 20 minutes. Alors. Il y a eu un crash de trop aussi. Ça. Sans deck. Arrête-toi, 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 arrête-toi.
Vois que ça marche pas. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Ouais, mais 360 bornes à faire avec ce vaisseau-là, ça va être l'enfer. Ça avance pas. C'est pas possible. Hein. Ça n'y va pas été possible. Hein. Même en boost, même avec un boost, j'atteins pas la vitesse quoi, c'est terrible. Mais de toute façon, moi, je ne t'ai même pas dirigé vers le truc. Bah c'est trop loin. Je suis sûr que j'irai à pied, j'irai déjà. Je pense pas, non. 360 bornes à pied. Bon Ouais. courage. Non, mais si on avait un véhicule roulant, par contre, on aurait pu le faire, oui. Mais on n'a Si on pas. avait un vaisseau assez grand pour transporter un véhicule roulant. Ouais, oui, parce qu'il faut se téléporter, mais on aurait pu aller à l'avant-poste le plus proche et faire spawn un vaisseau, un véhicule roulant. Et là, on aurait été assez proche. Bon là, je vais entendre me poser à leur ville, on va prendre mon gros vaisseau et puis Pour bon. Astor-ci, ça n'a rien. Bah si, c'est bon, ça va aller. Même en ligne droite en descendant vers la planète, il est lent. Ouais. C'est quoi ce bordel? En fait, c'est un vaisseau de transport pépère quoi. C'est juste tu vas d'un point A à un point B avec ta cargaison, mais si tu dois faire autre chose que Ouais. utiliser ton quantum field, faut pas quoi. Tu pourras rien faire avec. C'est plus lent que l'Aurora en vrai. Hein. Bah, l'Aurora, dans l'espace, c'est 1213, 1211 à peu près. Ouais. Et dans l'atmosphère, c'est 365. Là, dans l'atmosphère, c'est 200. Et dans l'espace, c'était 300. Donc, compliqué. Ouais. Please contact ATC Talent. T'essaies de me partager un truc? Non, non, c'est encore un bacon qui a été Ah, ok. Ça s'est activé. Ça a direct mis. Il y a un medical rescue. C'est l'enfer ce vaisseau à la vitesse où il se déplace quoi. L'avantage c'est que vu qu'il se déplace pas très vite, pour freiner, ça va. Alors, je suis sûr que tu vas trouver le moyen de te cacher quand même. Oh, hop, de peu de fois va. Ouais. Que j'ai mon brevet de pilote privé sur Flight Ouais. Simulator. C'est vrai en plus. Voilà, on est posé, tu vois?
Homme de peu de foi. Comment je connais le vaisseau sur... Tout va bien. Je marche encore à deux à l'heure. Ah bah tiens, il y a un weapon locker ici aussi. Oh oui, mais on n'a pas d'armes. Non mais c'est intéressant de savoir que tu peux t'en stocker. Ouais, tu peux en stocker deux, apparemment. En tout cas, il y a deux emplacements de fusil. Ouais, sortir par l'arrière du vaisseau parce que... Oui. Ah, bah non, c'est pas l'arrière du vaisseau, c'est la salle de bain. Comme je te disais, j'avais pas vu de truc pour l'ouvrir à l'arrière, donc... Donc le fait que tu n'aies aucune porte automatique là-dedans... Ah, ça c'est l'enfer. Voilà. Oui, tu n'es pas à la place de l'échelle. Ah oui, mais sinon j'avais pas le menu pour... Allez. Non, raté. Oui. Mais quel menu de merde. Laissez-moi sortir. Non, c'était pas une bonne idée. Pourquoi tu m'as enfermé? J'ai voulu cliquer sur les différents boutons, voir ce que ça faisait. Mais c'était pas une bonne idée. Ça risque de se refermer derrière moi. Oui, c'est pas grave, j'ai descendu. J'ai déjà descendu, hein, je suis allé... Mais t'es descendu comment, toi? Ah bah, je t'ai sauté par-dessus la tête, tiens. Non, mais l'autre... Tu sais que si tu marches pas sur l'aisselle, mais que tu sautes, tu la prends pas. Oui, non, mais j'ai pas pris l'échelle, en fait. Ça m'a happé directement. Allez. Dis-moi, c'est quoi LDLC déjà? LDLC? Où ça? Où, qui, comment, dans quel contexte? Le truc où tu as des choses que tu peux acheter qui s'appelle LDLC. Ah, c'est un magasin d'informatique. D'accord. Parce que là, j'ai droit, grâce au McDo, à 10 euros sur LDLC ou 4 audio sur Audible. Étant donné que les livres audio, étant donné que je n'ai ni l'un ni l'autre, Hangar 3. Je prends Audible et puis ce sera un cadeau de Noël pour quelqu'un. Audible, ça fonctionne par abonnement. Ouais, ouais. Non, mais je prends Audible. Là, c'est ouvert. Je prends le cadeau Audible et puis ensuite pour Noël et ben je donnerai le code à quelqu'un. Voilà, simplement. Ouais, voilà. J'ai testé Audible avec Amazon, parce que c'est Amazon Audible. J'ai testé, j'avais un mois gratuit. J'ai pas réussi à vraiment accrocher les lectures de livres audio, ça me. Non, puis les mecs lisent comme de la merde. Ça, d'attendre automne, comme ça, de la lecture académique. Ouais. Au lieu de. C'est pas le papa qui fait la lecture, etc. C'est le professeur. C'est très monotone et du coup, ça n'a pas réussi à m'emballer, quoi. Alors, je referme la rampe. Ne t'en fais pas. Ok. J'espère que c'est bien la rampe que j'ai mis et pas la porte. Ça, tu vas vite le savoir. J'ai entendu un pchit. Donc, à moins que ce soit toi qui étais en train d'ouvrir la porte du haut, non, je vais dans mon. C'est bon, on y est. Pourquoi tu ressors? Parce que j'ai un bug des fois qui fait que ma caméra, quand je suis dans le siège, elle tourne à droite toute seule. Sans que je lui demande. Du coup, c'est pas très très pratique pour piloter. Ouais. Voilà, c'est bon. Alors, F2. Hearthstone. HDMS Pin World. Laissez-nous partir. You are clear to launch.
Allez. 80 degrés d'altitude ou de remonter et on est parti. T'as un moyen toi de gérer les items, la pouvoir des items, tous ces trucs-là, ou t'as juste la tourette? Non, juste la tourette. Ah ok. Putain. New power, c'est pas celui-là que je voulais, c'est les items. Parce que du coup, je peux peut-être éteindre quelques trucs pour gagner sur les thrusters. Je voudrais juste préciser, je vous ai entendu, tous ceux qui ont pensé que j'étais un crevard pour les 4 dibbles à Noël. J'ai mis sur les thrusters, je mets plus de puissance sur les thrusters. Allez. Calibration en cours. Pendant que j'y suis, j'y pense. J'ai vu ce matin un mec qui avait réussi à avoir une des vignettes gagnantes McDo. C'est rare, hein? Ouais. Il est su parce qu'il se baladait avec le sac à dos McDo. Ah, okay. Il y a... Alors c'est très très moche, hein. Vraiment, on dirait que t'as un sac en papier sur le dos. Mais... Non, ouais, ou juste il a gagné sur les trucs du Monopoly. Oui. Parce que c'est un reward aussi, hein. Et... Mais c'est très très moche. Ouais. C'est effectivement assez mal joué. Je sais pas si je me baladerai finalement. Bon, ça avec montre ce truc-là, mon. Moi. Ouais. Bah, ça montre mon mes cadeaux de Noël à 3. J'ai deux bons de 10 euros chez Manucuriste. Et le bon des 4 dibbles. Et j'ai le droit d'offrir des cadeaux de merde parce que moi, on m'en offre pas des cadeaux. Voilà. Donc, moi, au moins, je donne quelque chose. Qu'est-ce que vous allez dire, les gens? Ben, vous allez rien dire parce que vous regardez pas. Eh ouais. Il n'y a plus personne. Pour dire qu'il n'y a plus personne. Vous avez été enroulé. C'est pas comme qui dirait un petit peu pas dans la bonne direction. Si, si. En fait, je monte pour pouvoir gagner en vitesse. T'es où d'ailleurs? T'es à combien de distance du haut? Là, on est à 320 de distance du point et on est à peu près 51 000 km d'altitude. Parce que la distance du point, je la vois. 51 000 mètres d'altitude. Je la vois, la distance, c'était la hauteur. Qui... Ah, pardon. Bah, parce là, que tout à l'heure. 54 km. Tout à l'heure, quand j'étais sur la cave, j'étais à j'étais à 4000 mètres de distance, mais j'étais à 4000 km de hauteur, donc de ouais. 4000 mètres de hauteur. Donc. Forcément.
Ouais. À un moment, tu coupes les moteurs et puis tu finiras par y arriver. Tu vois là, le temps qu'on a mis une fois après sortie du saut jusque pour arriver là, on a mis moins de temps pour faire presque 100 km que ce qu'on a mis tout à l'heure pour faire 3 km. D'ailleurs, tu as reposé tous tes trucs qui valent cher. Ouais, tout est à l'Anvil. J'avais aussi gardé un set de bras et jambes de base, histoire d'avoir un petit peu de place sur moi. Mais du coup, j'ai oublié, je les ai vendus. Ah, dommage. J'ai oublié, c'était quoi le but de la manœuvre d'en garder toujours à la maison. Bon, avec de la chance, là, je vais bien trouver des cadavres sur. Oh, un ou deux. Bon, étant donné qu'on se fait chier un petit peu, je vais taper libre de droit sur YouTube et voir ce que ça me sort. Ah, sait-on jamais, hein, il pourrait y avoir des trucs sympas. Ah, tu cherches quoi? Musique. Musique libre de droit, 851 entrées. J'en Et ben, let's go! ai plein des chansons libres de droit, tu sais. Ouais. J'en passe sur le stream à chaque fois. Ça amorce la DCNT. Comment on fait pour voir la durée totale de d'une playlist, dis-moi. Sur YouTube? Aucune idée. Ah si, je crois que quand tu ouvres le détail de la playlist, tu cliques sur le nom et pas sur le contenu, du coup tu vois toute la liste de ce qu'il y a dedans. Alors, non. Oui. Je sais pas. Non, bah non. Tu Non. l'ajoutes à ta bibliothèque et puis après tu peux voir. Bon, après 851 vidéos, je pense que ça doit faire beaucoup, hein. Ça fait. Ouais, ça dépend combien durent les chansons. La première est dure 1h10 et les suivantes entre 2 et 5 minutes. J'ai pas tout défilé. Ouais, il y a moyen que ce soit assez long, effectivement. Allez, il nous reste 90 bornes à faire. 85. On se rapproche quand même assez vite, hein. Ça a toujours été ça ton problème en fait. Tu te rapproches. Remarque, maintenant, t'as trouvé les freins, mais tout à l'heure, ça n'a pas su. Tout à l'heure, ça n'a pas suffi, non? Pour ça que là, je mets d'abord un petit coup de frein, Pas même du. s'il reste 47 km. Tant que t'es pas à moins de rien. Ouais, bah la dernière fois j'ai commencé à freiner à 40 bornes et le vaisseau il a pas freiné et on a été ligne droite, hein, donc moi je me ferais plus avoir. Sûr que c'est parce que tu as oublié de retirer l'autopilote. Non, jamais d'autopilote quand je suis au TAS. Pas besoin en fait pour la vitesse parce que j'ai mon truc qui règle la vitesse pour moi justement. De toute façon, si Il on est a temps trop envie pour moi de d'avancer, ça va commencer prendre à plus long. surveiller les montagnes. En effet. On a encore à 5 km d'altitude. J'ai réduit la vitesse d'approche. Tant mieux parce que moi j'ai des lags. 200 km. Ok. On est passé de 11 000 à 7 000, 8 000, Oui. 8 700.
bien sûr, c'est pas sur une plaine, mais dans les montagnes. Sinon, c'est pas drôle. T'as ton petit pistolet quand même ou pas? Oui. Déjà... Je sais pas si ça fera le grand effet, mais. C'est un petit gain, oui. Tu parles de montagne, ça va, hein. De C'est des colline, montagnes c'est de plates. colline. C'est dit colline. Falloir redresser un petit. Oui. Y a du vent. Putain. T'as pas attendu qu'on soit posé pour descendre, toi. Non, jamais. Mais on est Voilà. encore à 100 mètres d'altitude. À quoi ça sert? Bah, à quoi ça sert? Ça sert de pas mourir, par exemple. Comme ça, je te dis tout de suite s'il y a des mecs avec des flingues. Pour le moment, J'éteins le vaisseau pour pas qu'il se barre. on dirait que ça va bien. Il y a toujours des colis qu'on ne peut pas récupérer. J'allume les lumières aussi. D'ailleurs, ce sera tellement bien mieux quand on aura un point de vente de toutes les caisses là qu'on trouve. Eh ben apparemment on peut vendre. Ah bon, j'ai failli m'évautrer. Faut regarder dans le truc de dans le journal. Quand on est dans le journal, il y a marqué où est-ce qu'on peut vendre quoi et où. Et Oui, s'il parce que j'ai vu qu'il y a certains trucs qui achètent des machins et des bidules. y a... Mais Ouais. lorsque j'ai trouvé une caisse de tungstène et que je suis allé sur une station spatiale où il y avait tungstène qu'ils en recherchaient, jamais j'ai pu la vendre. Je sais pas si c'est parce qu'elle n'était pas dans mon vaisseau ou si c'est parce que je ne l'avais pas acquise via Je sais achat. pas. Moi, je cherche les corps. Hein. Toi, tu fais la mission si tu veux. Bah oui, je cherche la mission là. Je me cherche, mais oui, mais on a atteint le dérélict de site. Maintenant, il faut trouver le mec. Alors, est-ce qu'il y a des ennemis là-dedans? D'habitude, c'est dans les grandes salles comme ça qu'ils sont. Je suis dans une grande salle, il n'y a pas l'air d'en avoir. Voilà. C'est bon. Bah, c'est bon. Et puis, c'est ici que le mec, il se traîne. Il est quelque part par terre. C'est là qu'il était la dernière fois. Là, nous avons du minerai. Il a pas l'air d'être là, monsieur. Il est à 7 mètres, mais par là, dehors. Ouais. En dehors du mur. Bah, très honnêtement, j'y suis allé, il n'y avait que des cailloux. Je vais aller regarder dans la cabine de pilotage. Sait-on jamais? Ouais, Logiquement, c'est c'est là ça que où je les me pilotes. posais. Logiquement. Ouais. Ah, on peut pas aller en haut. Voilà, on y va. Alors, il y a quoi ici? Il n'y a personne. Ne me dis pas qu'il a traversé le pare-brise. Je pense pas. Ah, tu remportes pas ta caisse? Oh bah après, je cherche d'abord l'objet de la mission. C'est, hein, suffit juste de le trouver, de dire oui, il est mort. Alors, Oui, mais il faut le trouver. le fait d'avoir trouvé le vaisseau devrait suffire à pouvoir dire qu'il est mort. Bah pas forcément. Il n'y a pas vraiment de chaise éjectable encore dans le jeu. Si, il y en a. Et il marche? Oui, il marche très bien même. Le quête, le Parce que, chief engineer. ouais, la dernière fois que tu t'es siège éjectablé, il t'a éjecté dans le Mais plafond. oui, mais j'étais dans un hangar. C'est le chief engineer qu'il faut trouver. Bon, alors ici, je n'ai personne.
J'ai visité tous les intérieurs du vaisseau, hein. Enfin, tous les extérieurs, pardon. Pas les intérieurs. Bon, l'un dans l'autre, à part la cabine, les deux thrusters et la salle où on était tous les deux, j'ai pas vu d'autre Je sais entrée. pas trop où il est. Là, je suis Dernier. arrivé au bout, il n'y a rien là-dedans. Une caisse de recyclage, on s'en fout. Ça, c'est un fil. Ça aurait été une jambe. Alors, ce qui C'est me du fait chier, c'est métal. que ça Alors, m'indique sous le sol. Si c'est effectivement sous le sol, ça fait chier. Oh, mais non, Star Citizen, ça va pas, voyons. Voyons. Ouais. Tu devrais chercher un vaisseau. Ah, cherche un vaisseau, tu fasses quoi avec le vaisseau? Tu tournes en regardant le sol et en ayant les lumières allumées, voir si tu vois un corps quelque part. Pas dans le vaisseau, évidemment, mais autour, quoi, dans la plaine. Ouais, attention, j'ai réussi à trouver, à monter à l'étage. Ah, bah bien. Voilà, bah. Vu qu'il est nulle part ailleurs. Il est là, le monsieur. Il l'a trouvé. Et ben voilà. Voilà. Ouah, il a disparu. Ah oui. J'aurais peut-être dû le Bah fouiller avant. oui. Je pensais pas qu'il allait disparaître comme ça, moi. Oui. Bon, par contre, il était tout seul dans son gros vaisseau, hein. Bon, au moins on a du fric. Voilà. C'est l'émission du coup, elle est finie ou il faut qu'on rapporte le truc quelque part? Non, non, c'est fini. On a eu l'argent, il a disparu, tout va bien. Ok, On a ben. passé un coup de téléphone à la famille pour dire oui, c'est bon, il est crevé. C'est bon, il est bien mort. En fait, j'ai même des escape pods là. Enfin, tu me diras, faut Ouais, maintenant les désactiver les escape il pods. était tout seul, il n'y en avait pas assez. Y a ma sweeper, tout. Ah, j'ai trouvé la sortie. Oui, à l'étage, je vais crever. Une sortie. Ah, oui. Et du coup, aucun cadavre nulle part. Non. Quel dommage. Ah, effectivement, c'est la mort, la mort. Ah oui, je te l'avais dit. Ah, pour moi, non. Enfin bon, Ah, tu mais me oh. diras, c'est pas important parce que d'une, je n'ai rien. De deux, je devais réapparaître à leur ville quand ils arrivent, vu que c'est l'heure pour moi de partir. C'est vrai. Oui. Mais moi, j'ai pas envie de mourir encore. Ça me fera une tenue médicale en plus à vendre. J'aime pas si ça se vend Voilà. vraiment. Si, mais je sais plus combien, 137 ou 13, un des deux. Bon, quoi qu'il en soit, Ouais, pour une fois, on a eu le pognon. les pognons, les pognons. Les pognons, les pognons. Moi, j'ai eu le pognon, et toi, je t'ai sauvé ta tenue. Tout est Waouh. bien qui finit bien. Ouais. Et On a tout gagné ce soir. oui. À peu près. Ah, sans ça, t'aurais été obligé de porter du blanc. Mon Dieu. D'ailleurs, vu que je t'ai récupéré ton undersuit et tout ça, l'undersuit qu'on t'avait offert, On m'avait quoi? on t'a offert lors de ta réapparition, Ouais. quand t'es réapparu, on t'a offert la chemise de nuit, ton undersuit. Ah tiens, il y a quelqu'un Ouais, si on qui veut, a oui. laissé sa tenue de. Quelqu'un qui a laissé sa tenue d'infirmier par terre. Ah. Super. Ça fait de l'argent. Voilà. Maintenant, j'ai trois tenues d'infirmier à vendre. Fait la collection. Je vais y aller tout de suite avant d'oublier. Ask the doctor.
job. En fait, je sais pourquoi je ne m'attendais pas à mourir depuis le vaisseau. Parce que j'ai beaucoup trop l'habitude des planètes à faible gravité. Ouais, mais non, la Terre, c'est hostile. Oui, là, c'est gravité normale, du coup, je ne suis pas préparé. À chaque fois que je suis sur une planète, moi, je fais des sauts de cabri. Oui, mais c'est pas la normalité. De leur faute, là. Qu'est-ce qui leur a pris de faire une planète extraterrestre qui est comme la Terre? Oula, le lag. Ouf. Oula, le lag. Quatre joueurs qui sortent en même temps de l'infirmerie, ça fait mal. Ah bon? Ouais. Je sais pas ce qui leur est arrivé aux autres, mais... Alors, l'avant, c'est par où? Là. Le problème, c'est que je sais comment aller à la zone de vente depuis le bar. Mais quand je passe par l'extérieur, je me perds toujours. Ben, Alors que c'est en retrouve la ligne. métro, puis après tu fais le chemin inverse. Non, c'est pas ça, mais c'est en ligne droite sur la droite. Mais pourtant, dès que je commence à tourner à droite, à gauche, à droite, et ben après, je m'y retrouve. Après, il est perdu. Voilà. Mais c'est bon, j'y suis. Alors, $15 la tenue d'infirmier. Mais du coup, j'ai 30 balles. Voilà. C'était cadeau. Merci, au revoir. Ah. Bon, du coup, bye. Eh ben, tchuss. Je vais aller acheter des armes. Il faut. Si, en fonction du prix, si c'est pas 100 000 crédits l'arme, je vais te prendre aussi un fusil. Oh non, c'est pas ça. Bah, si, Mais... pense là, comme ça la prochaine fois, si on rencontre des petits gars, ils m'ont pris des fobes. Ouais. Mais bon, ce n'était que 9 000, hein, la récompense. Donc 4 500 à se partager, là, ça a été beaucoup mieux. Oui, mais il pourrait tomber sur des missions un peu plus. En fait, quand on réussit des missions, en fait, ils nous filent des missions après qui sont plus intéressantes Ouais. et qui potentiellement peuvent être plus dangereuses aussi. Donc, Mmh. c'est tout aussi bien de s'équiper. Mais pense à prendre des munitions aussi, hein. Oui, bah les munitions, je crois, sont plus ou moins finies. Hein. Probablement. Non. Ah non, c'est vrai Non. qu'on a des stocks de munitions, oui. Mais ça, J'ai tu peux déjà les acheter trouvé. n'importe où, hein, les stocks de munitions. J'ai déjà trouvé plein de chargeurs dans les trains que j'ai vendus d'ailleurs. Ça m'a fait 95 balles gratuites. Non mais voilà, les mecs, ils ont 5 chargeurs vides, ils les jettent par terre et ils se disent pas, bah tiens, je vais recycler. Pensez à la planète. Non, bah, ils polluent la planète, même jusque dans des jeux vidéo. Hein. Comment ça, Star Citizen est un jeu vidéo? Eh bien Comment oui. ça? Eh oui, désolé de casser votre délire. Comment ça, il y a de la pollution sur Star Citizen? Bah oui, vu que tu y joues. Oh! Allez, bye. Tuus. Oula, oula, oula. Ouh, la station spatiale. Ouh, la station spatiale qui va me la prendre. Ouh, ça va piquer. Ouah! Me la suis pas prise. Bah, c'est pas passé lui. Vraiment pas lui. Comment? Allez, je vais atterrir. S'il vous plaît, laissez-moi atterrir. Ouais, et où on signe landing bay? Que je dois me poser. Allez, viens, c'est où je dois me poser.
celle-là. Par contre, pourquoi est-ce que dans l'espace ralenti si lentement par rapport à l'atmosphère? Je sais qu'il y a l'inertie et tout ça, mais quand même. Et j'ai perdu ma place. Et ma place. Ça, c'est un repair. Ah, fuck alors. Où est ma place? Là. J'imagine que c'est là. Ah non, c'est cette tourelle. Ah oui, voilà. C'est ça. Il m'avait niqué ma place. Te referme pas, j'arrive. Ouvre-toi. Allez, faut s'ouvrir là. Ça me fatigue ça, hein. Et du coup c'est pas celui-là. Si c'est celui-là. Oui quand même. Ah surtout on entend encore plus lentement. Comment ça? What the fuck? Bon, bah c'est bon, ça m'a saoulé. Allez, ciao tout le monde.